grandi dans un environnement un peu très difficile parce que je sortais d'un quartier difficile que les gens appellent quartier Nkondongo, où je suis né. Et pratiquement, je suis un enfant de Nkondongo où tout le monde aspirait à jouer au ballon puisqu'on avait l'école publique de Nkondongo qui était un stade ouvert et où nos aînés qui sont passés avant nous ont essayé de donner... On essayait de donner un peu du ton et nous sommes restés dessus. Nous avons dit pourquoi ne pas essayer. Et moi, j'ai eu la chance, étant déjà jeune, d'avoir ce don que Dieu m'a donné, qui était le football. Et j'ai continué à persévérer. Ça n'a pas été facile pour moi parce que je sortais d'une famille pauvre où on ne voulait pas absolument que je puisse jouer. On voulait que je continue dans les études, que j'ai fait toujours mes études. Mais étant têtu, comme je peux le dire, étant têtu, j'avais toujours cette envie de montrer. Et cela, je l'ai pris en moi parce que j'ai même accepté les bastonnades. Parce qu'il fallait que je rentre, je sors de l'école, je vais aux entraînements, je reviens tard dans la nuit. Se morfondre, pourquoi? Parce que voyant que mes oncles me tapaient trop, ça lui faisait tellement mal. Et un jour, elle s'est laissée aller en disant que je ne souhaite plus qu'on tape mon fils. Et c'est ce jour-là que j'ai pris le déclic en disant à maman que un jour, j'essaierai peut-être pas celui que tu attends, mais un jour, je pourrai te rendre heureux. Avec Bastia, et c'est Bastia qui me repère dans la rue. Au fait, c'est Bastia qui vient me repérer. Ce grand monsieur que j'appelle le coach Bans, parce que nous l'appelons Bans, qui est un grand monsieur avec qui j'ai toujours des bonnes relations, avec qui on s'entend bien. C'est ce monsieur qui me voit un jour, il est en train de partir au travail. Un jour, il travaillait à Score. Il me voit dans la rue, j'étais en train de jouer. Et il me regarde jouer, il est resté pendant près de 15 minutes à me regarder, me voyant jouer. Et il se rapproche vers moi en me demandant, fiston, tu habites où? Je lui dis non, j'habite derrière le commissariat en Nkondongo. Et ma maman, c'est elle. La chance que j'avais, c'est qu'il connaissait déjà le petit frère de ma maman, qui a joué avec lui, ils avaient joué dans Bastia. Et c'est là où je lui dis, M. Ngondji, Pascal, qui est le petit frère de ma maman, qui jouait dans Diamant aussi à l'époque. Parce que je suis né dans une famille où j'avais déjà des gens qui ont eu à jouer au foot. C'est là où je lui dis, mais il le connaît. Il connaît Ngondji. Je lui dis, OK. Donc je suis l'enfant à sa grande sœur. Son sœur me dit, à mon retour du travail, je veux m'arrêter chez vous puisqu'elle connaît la maison. Donc dis à maman que je viendrai la voir. C'est comme ça que. Quand il rentre du travail, il vient voir la maman. Malheureusement, il ne trouve pas la maman parce qu'elle était au marché, parce que ma maman elle est commerçante. Elle vendait au marché, elle n'était pas encore rentrée. Il trouve mon oncle qu'il connaissait aussi, qui était le grand frère de Ngondji, M. Nana Christophe, qui était aussi dans le football parce qu'il était entraîneur de handball, tout et tout et tout, et il se connaissait. C'est comme ça que le discours passe. Il lui dit non, il a vu l'enfant. Il souhaiterait que l'enfant vienne travailler avec Bastia. Et c'est comme ça que mon oncle, bon, il m'appelle, il me dit, voilà, on souhaiterait que tu ailles travailler avec Bastia. Je dis, c'est où? Il me dit, au stade Anguissa. Il y avait un stade Anguissa, c'est comme ça que je pars donc. Et je commence à travailler avec eux. Et on avait le coach Moussongo, qu'on appelait Mouzon, qui était aussi un grand frère du quartier Nkondongo, mais aux côtés d'Amikalba qui était en bas et qui entraînait là-bas. Et qui avait aussi eu à jouer là-bas. Donc je me suis retrouvé en train d'avoir presque tous les gens, mes aînés du quartier, qui étaient déjà dans le club.
cette époque, j'avais peut-être, je pense, 6 ans, 7 ans, 8 ans. J'étais encore un peu tout petit. Mais quand je pars, j'avais 7 ans quand je pars. Et quand je reviens, maman me dit, elle ne veut pas accepter que je suis trop petit. Elle ne peut pas, elle ne veut pas. Pour le moment, elle ne veut pas. Elle ne veut pas que j'aille là maintenant parce que c'est un peu... Oui, c'est tôt pour moi. C'est comme ça que j'arrête une longue période, j'arrête. Pendant peut-être 2 ans, 3 ans que j'ai arrêté, je repars quand j'ai 12 ans pour jouer la Coupe Taupe. C'est là où je finis de jouer la Coupe Taupe. Quand je joue dans la Coupe Taupe avec Bastia, Nassara me repère parce qu'on joue un match. C'est là où Nassara me repère. Nassara me dit, mais on a vu cet enfant, on nous élimine. Et quand on nous élimine, il faut qu'on continue bien. Nassara demande donc à prendre 3-4 joueurs dans Bastia. C'est comme ça que je pars avec un de mes cousins qu'on appelait Nouga Georges. On part donc. C'est même Nouga Georges qu'on récupère d'abord. Et voyant que moi je jouais toujours avec lui et qu'on marchait toujours ensemble, c'est là où il dit que non. J'ai mon cousin avec moi qui joue. Et comme il m'avait déjà vu, parce qu'il ne connaissait pas mon nom, mais il m'avait vu jouer. Et je viens donc comme ça à Nassara. Je commence l'entraînement avec Nassara. Pourquoi? Parce qu'on était éliminés. Il fallait qu'on continue. Et Nassara nous intègre dans leur deuxième équipe. Parce qu'il y avait, je pense, 3 équipes qui jouaient la période. Il y avait Union. Il y avait encore une autre. Je ne me rappelle plus bien. Il y avait une deuxième. Donc nous, on n'était pas dans Union. On était dans Nassara parce qu'il y avait Union, il y avait Nassara et il y avait une autre équipe. Et nous, on est venus donc dans Nassara. Et c'est comme ça qu'on intègre donc Nassara, alors que Union était l'équipe phare. Nassara a été pour moi vraiment, comment je peux dire, le Côte Nord m'a beaucoup marqué. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait comprendre, il m'a fait croire en moi. Il m'a fait croire en moi que je pouvais, que j'avais les qualités, mais que ça devait être dû. Et pour que ça soit dû, il va falloir que j'accepte le travail, j'accepte tout. Et il m'a appris à travailler. J'aimais déjà le travail, pourquoi? Parce qu'il m'a fait comprendre que s'il faudrait que je devienne celui que je veux être, ce n'est que dans le travail et dans la discipline. Mais que ça ne serait pas facile parce qu'il y a les moments où je vais passer les moments très difficiles. Mais il va falloir accepter, parce qu'il y a les moments de découragement. Il y a les moments où tu attends quelque chose, ça ne te sourit pas. Mais je lui ai dit, je n'ai que le football pour moi, pour sortir de là où je viens. Parce qu'à travers le football, je peux devenir quelqu'un. Mais si j'arrête le football, je peux être une autre personne. Petit passage par le canon, parce que je suis avec mon grand frère Servo, que vous avez vu tout à l'heure, là, je suis avec lui. Et il est en train de partir en Europe. Apparemment, il faut un remplaçant qui joue au même registre que lui. Et il me propose, au fait. Il me propose à Béga, au président Béga, paix à son âme, il me propose en me disant que j'ai mon petit là que je vais laisser à ma place. C'est un bon joueur, il va bien travailler, même comme il est encore jeune, mais je souhaite qu'il soit avec le canon. Il me dit, mais comment ça? Malheureusement, il y a une anecdote dessus. Pourquoi? Parce qu'il me ramène à l'entraînement. Abega me trouve petit et il me dit, mais tu amènes celui-ci où? Il ne peut pas jouer dans le canon. Et j'avais la rage en moi. Parce que déjà, il m'a simplifié, m'a minimisé, vu mon gabarit. Parce que lui voyait les costauds gens qui étaient devant lui, les bindis que je voyais grand de taille. Donc il se disait que non, que comme cela, ils vont m'écraser. Et néanmoins, Servo insiste. Et il dit à Servo, ok, laisse le s'entraîner, on va voir. À peine 15 minutes de l'entraînement que j'ai commis, je fais un sombrero sur un joueur et je marque un but à 30 mètres. Abega assis, il décide ce jour qu'on me paye la prime.
Et il me dit, donnez-lui la prime d'entraînement et tous les jours, il doit travailler ici. Et c'est comme ça que je travaille avec eux pendant une période de un mois. Je constate qu'en un mois, ils ne sont pas allés prendre mes dossiers chez Nassara. Et Nassara et Norbert dit, je ne traite qu'avec le président. Dites à votre président de venir prendre la licence du joueur s'il a besoin. C'est entre président et président. Mais Abega, lui, il envoie le secrétaire général. Et c'est là où Norbert dit, je ne libère pas. Et derrière ça, donc maintenant, le président de Sintra va voir donc Norbert et ils s'entendent. Et Norbert me dit ça, Sintra, que tu pars. Quand j'arrive au Mouloudia Doran, je joue. Je joue au Mouloudia Doran. L'entraîneur, il y avait un entraîneur qui était de passage. On l'appelait Gomez. C'est un entraîneur qui a joué au Benfica. Il a joué à Sporting. Il a joué à Porto. Il vient signer au MCO Doran. Il signe comme entraîneur. Quand il signe comme entraîneur, la deuxième année, parce que j'ai 2 ans de contrat avec le MCO, la deuxième année, il vient signer. Et quand il signe comme entraîneur, il me voit jouer. Quand il me voit jouer, il me dit, je t'ai vu jouer, mais ton niveau n'est pas ici. Mais pour cette année, je souhaiterais que tu finisses la phase aller avec moi. Donne-moi tout ce que tu as par rapport à ce que j'ai vu. Et au Mercato, je vais t'envoyer au Portugal. Voilà. Je lui dis, mais comment vous parlez comme ça? Il me dit, non, t'inquiète pas. Fais ce que je te dis. Mm-hmm. Je commence à jouer avec lui. J'ai fait tout ce qu'il me dit. Pendant ce temps, il a pris mes vidéos. Il a envoyé au Portugal. Il me dit, viens avec ton passeport. Et je prends mon passeport, je le remets, je lui remets. Je lui dis, je dois aller en vacances. Puisqu'on a fini la phase aller, il faut que j'aille quand même voir la famille. Il me dit que quand tu vas partir en vacances, en revenant, tu auras le visa. Je lui dis, non, comment ça? Il me dit, fais comme je te dis. Je pars en vacances. Pendant que je suis en vacances, et lui fait tout, ils ont fait tout. Je reviens des vacances, j'ai fini même la saison avec lui. J'ai fini presque la saison. Quand je reviens pour les grandes vacances, il part au Portugal. Lui, il part au Portugal. Quand il part au Portugal, je suis au Cameroun. Il m'envoie les documents. Il m'envoie tous les documents. Je lui dis, je suis petit, je ne peux pas voyager seul. Pour qu'il voyage, il faut que j'aie une personne. C'est pour ça que je prends mon oncle avec qui j'étais en Algérie, je lui dis, je ne peux pas aller seul parce que je ne connais pas là où je pars. Resté comme ça, il est dépassé, il me dit que non, c'est pas vrai. Il dit, tu as le visa. Mais moi, je vais partir avant et tu vas venir me retrouver. Il ne faut pas qu'on aille à deux. Pourquoi? Parce que je veux donner les cas. C'est là, il me dit, et où est... Je sors le visa, je lui montre. Quand je lui montre, il fond en larmes. Il ne sait pas comment on va dire à la famille. Il dit que non, on est obligé de dire, on m'a dit comment. Je t'avais dit de te calmer, les choses vont aller. C'est Dieu qui fait comment il fait ces choses. C'est comme ça que je me lève donc. Je dis ok, dans une semaine, il faut que je voyage. Puisqu'on m'attend déjà. Malheureusement, quand j'arrive au Benfica, Benfica n'est pas là. Mais il y a quelqu'un qu'on a laissé me prendre à l'aéroport. Donc la personne me prend à l'aéroport et m'amène au camp de loge de Benfica. Thank you.
souhaiterait que tu joues pour l'Algérie. Et ils disent qu'ils sont prêts à mettre ce qu'il faut. Je demande ce qu'il faut, c'est quoi? Il me dit, les Algériens demandent de te verser une prime de 50 000 euros. Je viens, je dis, je vais réfléchir et je vais vous revenir. Je m'en vais, je rentre, j'appelle mon nom. Je dis, j'ai une situation. Il me dit, je dis, l'Algérie, on me propose d'avoir la nationalité algérienne. Et l'Algérie veut m'utiliser pour l'équipe nationale. Mon oncle me dit, et qu'est-ce que tu as pensé? J'ai dit, pour le moment, le rêve que j'ai pour moi, c'est de jouer pour mon pays. Je voudrais jouer pour le Cameroun. On me dit, avec tous les joueurs qui sont au Cameroun, tu penses? J'ai dit, je dois jouer pour le Cameroun. Et je vais jouer pour le Cameroun. Il me dit, donc ça veut dire que tu ne signes pas? Tu ne veux pas? J'ai dit, je réfléchis encore. Pendant qu'ils ont senti que j'étais un peu réticent, ils ont convoqué mon oncle. Mon oncle arrive, ils ont discuté avec mon oncle. Mon oncle, intelligent comme il était, il est sorti de là, il a demandé à avoir un cabinet d'avocat. Il a rencontré une dame qui était avocate et il a soumis le problème à la dame en disant que bon, voilà un peu, quels sont les avantages? On propose ceci à mon petit frère, voilà. Est-ce qu'il a commencé à poser certaines questions qui gênaient un peu, que moi je ne savais pas. Et c'est comme ça que la dame aussi, ne sachant pas, elle a commencé à répondre un peu à ce qu'il, dans le sens où il allait. Un monsieur vient me prendre à l'aéroport. Il me ramène au complexe du club. Je regarde le complexe, je dis, mais je suis où là? Je regarde le club, je dis, mais dans le football, là, les niveaux et niveaux. Déjà l'environnement, déjà pour un enfant qui sort de l'Algérie où il joue sur le synthétique, il arrive, il trouve devant lui, il voit un complexe sportif, il trouve un hôtel du club, il trouve près de 7 stades gazonnés. Il trouve des stades différents, il trouve une salle de gym moderne, il trouve... Donc déjà ça, dans ma tête, ça joue. Psychologiquement, je me dis, mais je suis où? Et malheureusement, quand j'arrive, Benfica est en tournée, ils sont en pleine tournée, ils ne sont pas là. Je trouve les jeunes du centre. On me dit, non, tu vas t'entraîner avec la réserve. Je commence à travailler avec la réserve. Je travaille avec la réserve. Après un moment, la réserve va en vacances. Je ne peux plus travailler. Et ils sentent que comme la réserve va en vacances, je ne peux plus travailler, ils m'envoient à Madola. Parce que les gens ne savent pas que j'ai fait à Madola. Et c'est même à Madola que j'ai fait plus les entraînements qu'au Benfica. À Madola, j'ai fait pratiquement 4 mois. 3 mois, 4 mois. J'ai compéti avec Madola. J'ai joué les matchs avec Madola. Et Amadou me recrute. Quand j'arrive à Benfica, Benfica ne m'a pas signé. Je vais te raconter. Benfica ne m'a pas signé, mais je suis en observation pour Benfica. D'accord. Mais c'est Benfica qui m'a fait venir. D'accord. Puisqu'ils ont envoyé tout, le billet d'avion, tout. Donc je viens. Maintenant, Benfica est en tournée parce qu'ils font des tournées parfois de 1 mois. Ils font des tournées, ils essayent. Donc pendant les 1 mois qu'ils sont en train de tourner, Benfica est en tournée, moi je suis en train de travailler. Je travaille avec la réserve et après la réserve en vacances, on m'envoie à Madola. Donc je m'en vais à Madola parce que Madola est à côté, Benfica est là, Madola est ici. Donc je vais travailler à Madola pour garder ma forme. Oui. Donc ils envoient parce qu'ils sont en collaboration. Oui. Donc c'est comme ça que je pars. Donc je garde la forme. Malheureusement, quand j'arrive là-bas, ma forme que je viens garder se transforme à ce que le président, le coach Daoud Fakira, qui m'a vu jouer, un monsieur que je respecte parce qu'il m'a dit certaines vérités qui m'ont coûté cher dans la suite de ma carrière et qu'aujourd'hui avec qui j'ai toujours les relations. Oui.
veux bien jouer avec vous. Mais dans ma tête, c'est Benfica qui m'a fait venir. Et comme Benfica m'a fait venir, jusqu'au jour où ils vont me dire qu'ils n'ont pas besoin de moi, c'est là où j'aurai une autre solution. Mais pour le moment, là, quand je vais revenir, je dois jouer dans Benfica. Malheureusement, Benfica a fini sa tournée. On dit, moi, j'ai l'entraîneur. Un entraîneur arrive qu'on appelle Camacho, qui était l'entraîneur du Real de Madrid. Oui. Il arrive, on joue un match d'observation, Benfica, Amadora. Amadora, je joue Amadora. J'ai la tenue d'Amadora sur moi, je joue numéro 10 contre Rui Costa. L'entraîneur assis en haut, il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu jouer. Quand j'ai fait 45 minutes, l'entraîneur a demandé qu'on m'appelle. Il m'a appelé. Il me demande, tu sors d'où? Et je sors du Cameroun. Il dit, toi, c'est qui? Je donne mon nom. Il demande aux gens. Les gens disent que non, 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 c'est notre joueur. On l'a seulement mis là-bas parce qu'il s'entraînait. Comme il jouait avant Amadou, il n'était pas là. Le club était en tournée. Il demande qu'on me change le maillot. Il fait sortir Rui Costa. Salon. Il fait sortir. Il remplace Rui Costa à la mi-temps du match. On m'enlève le maillot d'Amadou. On me met le maillot de Benfica. Je joue Benfica contre Amadou. Donc je joue une mi-temps ici, je fais une mi-temps là-bas. Oui. Quand je sors à la fin du match, c'est lui qui demande qu'à aller le signer. Quand j'arrive à Benfica, je ne sais pas combien ils ont payé au club à Oran. Oran. Mais je me retrouve avec un salaire à Benfica. Mon premier salaire, je me retrouve avec un salaire de première base. Quand je suis arrivé, 3000 euros. Mm-hmm. Tu vois, donc j'arrive de là-bas. Sur le contrat, j'ai un salaire de 3000 euros. Ouais. Une année. Deuxième année, je suis passé à 5 000 euros. La troisième année, je suis passé à 10 000 euros. Là, c'est déjà progression. Mm-hmm. Ce que les gens ne connaissent pas. Ouais. Donc, c'est pour ça, l'entraîneur me dit, allez le signer. C'est comme ça que le même jour, on me fasse des présentations, on me filme, je signe. J'appelle donc la personne qui m'a appelé. Il n'est même pas là. Je demande qu'on est en train de me demander de signer. Ils disent que signe seulement tous les papiers qu'ils vont te donner. Le reste là, tu le laisses, je veux m'en occuper. Il appelle donc son camarade, son coéquipier avec qui il a joué, Cheo, qui était le secrétaire général du club, avec qui ils ont joué ensemble. Il dit, fais tout la paperasse, envoie-moi, je signe. Malheureusement, on me demande que ton manager c'est qui. Mais par contre, j'ai dit Maria devant moi, le manager c'est Jorge Mendes. J'ai David Luiz, le manager c'est Jorge Mendes. J'ai Antonio Reyes, le manager c'est tel. Mais moi je n'ai pas un nom, je n'ai pas un manager. J'ai pas. Moi on me demande que. Mais tu n'as pas de manager, qui t'a amené ici? Tu vas jouer comment? Je prends le nom de la personne qui m'a amené, je lui donne. Si tu veux jouer dans Benfica, tu dois courir plus que tout le monde. Tu as les capacités de le faire, mais c'est la seule condition que tu vas jouer parce que tu n'as pas de nom. Le numéro 8 qui est là, c'est le capitaine de la Grèce, Katsunoragi, capitaine de la Grèce. Le numéro 10 qui est là, c'est le vice-capitaine du Portugal. Le numéro 6 qui est devant toi, c'est le capitaine du Portugal, Petit. Le numéro 10 qui est au banc de touche, il est aussi appelé à l'équipe nationale du Portugal, Nuno Assis. Si tu veux jouer, tu dois connaître les faiblesses de tout un chacun. Et tu dois connaître ta force. Petit. Il va jouer parce qu'il a le nom, parce qu'il est portugais. Mais il ne court plus, il ne ferme plus les zones. Katsunoragi, il va jouer parce qu'il est intelligent, parce que lui, il joue. Il peut jouer libéro, il peut jouer stopper, il peut jouer. Lui, il va jouer. Rui Costa va jouer devant toi, parce qu'il est l'emblématique. Il faut que tu te trouves une place. Si tu ne joues pas au milieu de terrain, tu ne vas pas donner ce que tu as. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas travailler le double de... J'ai commencé à travailler le double. Au lieu de courir 4 km, je courais 7 km. Ce qui faisait donc en sorte que, vu que je jouais, je savais déjà d'y jouer. Et quand il me mettait devant la défense, je faisais le travail qu'il fallait. C'est là où le vice-capitaine qui était Luisao un jour dit, quand on joue avec cet enfant, on a moins de problèmes. Donnez-lui sa chance. Parce qu'on voit comment il se bat. Pourquoi vous ne voulez pas? Parce que je n'avais pas un manager qui avait un nom, un gros nom. Mais Luisao dit non. Mais quand il joue, on voit. C'est comme ça, donc, un match, on me met 15 minutes.
Mon premier match en Champions League. J'ai joué mon premier match en Coupe, hein. En Coupe du Portugal. Je suis finaliste de la Coupe du Portugal. Et c'est parce que les gens savent. Je joue le match et comment jouer la Coupe. Et après la Coupe d'or maintenant, quand le nouveau entraîneur arrive, je ne joue pas. Quand le nouveau entraîneur arrive, je fais pratiquement peut-être un mois. On me prépare. Il me dit, tu vas jouer 15 minutes. Il me dit, tu joues en Champions League contre Milan AC, tu vas jouer 15 minutes. Contre Celtic Glasgow, tu vas jouer 25 minutes. Contre tel, tu vas jouer 30 minutes. Voilà comment l'entraîneur Camacho me prépare pour venir jouer. C'est pour ça que mon premier match contre Milan AC, j'ai fait 18 minutes, pratiquement. J'entre dans le bain. Et ce jour, j'ai bavé. Pourquoi ? Parce que c'est ce jour que j'ai compris que le ballon qu'on joue n'est pas ce qu'on voit. J'ai eu la chance de rencontrer Sidov, Ambrosini, Gattuso, Kaka. Quand je les regardais, j'ai dit, mais c'est les mêmes gens que je vois à la télé. Aujourd'hui, je joue contre eux. C'est incroyable. Je sors d'où ? Je sors de l'Afrique. Si je ne m'imposais pas ici, ça veut dire que tous ceux qui vont venir demain en tant que Camerounais ne pourront pas jouer dans Benfica. Tu vois la charge lourde que j'avais sur moi ? Parce que si je rate, j'ai fermé toute une porte à la génération camerounaise qui viendra. On va aller chercher d'autres dans d'autres pays pour faire jouer. Il faut que je réussisse. Tu peux jouer partout dans le monde. Ce monsieur Magalvanzi me dit, tu peux jouer partout dans le monde. La seule chose qui va te manquer, c'est de savoir si toi tu veux jouer. Mais si tu sais que tu veux jouer, personne ne peut t'arrêter. Parce que techniquement, tu es au-dessus d'eux. Physiquement, tu es au-dessus d'eux. Course encore, tu es plus fort qu'eux. Qu'est-ce qui te manque pour jouer ? La santé, tu as ? Il me dit, oui, mais qu'est-ce qui te manque ? C'est toi-même. Montre-moi que tu as envie. Voilà ta chance qu'elle te donne. C'est un souvenir d'avoir perdu la finale parce qu'on avait envie. On a donné tout ce qu'on avait parce qu'on a commencé difficilement d'abord, surtout contre une équipe qui nous avait gagné dès l'entame de la compétition. Et une très bonne équipe aussi. Donc on avait la revanche qu'on voulait faire, qu'on voulait se faire. C'est contre l'Égypte toujours. Et c'est un match inoubliable parce qu'il y avait de l'enjeu, il y avait l'envie, il y avait la détermination et il y avait du moral puisque j'ai eu la chance d'être dans cette finale et de prendre part. Donc pour moi, c'était de vouloir gagner cette médaille d'or qui devait rester gravée. Et malheureusement, comme il faut toujours un vainqueur et un vaincu, nous on a été vaincus et on a perdu cette finale. Mais c'est des bons moments que j'ai passés, c'est des moments inoubliables que je souhaiterais que beaucoup de mes jeunes frères puissent avoir la chance de participer un jour. Et j'ai eu cette chance et je remercie tous ceux qui m'ont accompagné. 2010 aussi, pour moi, c'est un souvenir amer. Pourquoi ? Parce qu'après avoir fait la Coupe d'Afrique, je savais que je devais participer à la Coupe du Monde. Et malheureusement, je n'ai pas pris part à la Coupe du Monde 2010. Pourquoi ? Par des raisons que moi, je n'ai jamais compris. Vu que j'étais dans le groupe, j'étais dans l'effectif. Et à la dernière minute, j'ai été retiré du groupe sans qu'on me dise quoi que ce soit. Et ma déception, c'est de ne pas avoir participé à une Coupe du Monde. Parce que beaucoup ne savent pas que je n'ai pas fait la Coupe du Monde. C'est vrai que j'ai eu deux Coupes d'Afrique, mais je n'ai pas eu à prendre après une Coupe du Monde. Et c'est cette déception qui me reste sur la gorge, à travers la gorge jusqu'aujourd'hui. Parce que j'aurais bien voulu aussi participer à une Coupe du Monde afin de remplir mon histoire et d'enrichir mon palmarès.